tout cas, on va pouvoir partir, mesdames et messieurs. Game 1 sur cette loser semi-finale. L'enjeu est grand pour les deux joueurs. Redwood Otakuni contre Nomad Esports Inami. On va pouvoir partir. Tonnet City sera de sortie d'entrée de jeu. Et là, pour le moment, on se cherche. On a déjà fait grimper la barre d'Arsène à plus de la moitié. Donc, c'est relativement une bonne chose, malgré les quelques pourcents qu'on s'est pris. Et là, pour le moment, un seul pourcent d'infligé seulement. Il m'a fait mentir. Ouais, c'est des petites phrases. Ça se touche. Voilà. Et on a Arsène qui est sorti. On va voir si on va être en possibilité d'en faire quelque chose. Voilà, jolie phase de l'Extra qui sera cancel via un oh là 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 là. Très très tôt, une seule ouverture du côté de Inami et on a réussi à exploiter cette faille sur un backer et Tandem City a aidé. On s'en veut un petit peu côté Otakuni forcément et on s'en est bien servi de ce Arsène et même sans Arsène on va pouvoir continuer à dérouler hein. C'est vrai que là impérial pour l'instant sur la première phase ici joueur nomade. Ça c'est sûr et là on a un joli avantage, on revient. Ouais, on revient, c'est Joker, c'est le grappin, ça revient. Ça revient très fort, hein. C'est le grappin. C'est le grappin et ça. Forcément, c'est un outil qui permet de revenir d'assez loin. Et le grappin de Joker, tu peux faire beaucoup de mix-up en fait avec ce grappin. Que ce soit avec le taser, que ce soit vraiment les timings, etc. Tu peux revenir un petit peu comme tu veux, tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Par contre, on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec le bon Joker. On a envoyé valser le joueur de talent qui est Otakuni qui vient d'envoyer Inami vers la blazone latérale droite. Et c'est Inami qui est cependant en contrôle. Certes, on va essayer de casser un petit peu cette distance côté Inami. On va essayer de balancer un petit peu des projectiles, des boomerangs, des bombes. Attention, la plateforme ne pourra peut-être pas le sauver pour longtemps. Là, le EP a été très très bon pour catch son adversaire. Et Inami qui maintient bien sa position d'avantage ici. Joli punish de cette air dodge. Et là on récupère le kill grâce à ça. Arsène prêt à être déployé et à mettre de jolies phases comme il a pu le faire dans tous les sets précédents dans lesquels on a pu le voir. Et là on est parti, on se cherche, Boomerang qui viendra embêter, mais d'un autre côté on utilise les guns, voilà ça cherche, ça s'envoie des projectiles. Hein. Ouais. Ça s'envoie des projectiles, ça s'envoie le downer ici. Aïe aïe aïe. On aurait pu poursuivre côté Inami, on a été un petit peu surpris hein, pour Otakuni. Je sais pas trop si c'était. C'était beaucoup. On s'est surpris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est surpris. Et pour Otakuni, c'était un petit peu une panade dans laquelle le joueur de Nomad, finalement, il a le contrôle du terrain et il est en totale confiance, Inami, pour l'instant. Après, il ne faut absolument pas se reposer sur ses lauriers. Ça va vite, attention à toute nouvelle situation de Gimp avec les guns. Ça existe et c'est une des forces de Joker, c'est les guns. Et les guns, qu'est-ce que c'est dévastateur. Ah oui, ça peut très bien t'embêter lors de tentatives de combo d'approche ou alors même pour Rico. Et là, on voit une amie qui en fait une utilisation incroyable. Et donc là on s'approche avec cette jolie stock d'avance, ouais. Et c'est la SD. Oh aïe aïe aïe. Ça pique un petit peu. Ça picote. Ça pique un petit peu. Vous vouliez s'en servir contre son adversaire, mais on était un petit peu trop près. Aïe. On s'en va un petit peu. On s'en va un petit peu côté Otaku. Mais c'est la game 1. C'est la game 1. On réfléchit, on se pose. On essaie de voir ce qui allait, ce qui allait pas. Et forcément, on va revoir un petit peu son game plan. N'oublions pas qu'il a déjà fait un set complet face à Inami un petit peu plus tôt dans la journée. Donc oui, on a déjà de la data face à ce joueur qui nous revient tout droit du pays du soleil levant. Et Kazors et Monet Bison qui font coucou à la petite cave. Et Monet Bison qui a la couronne, hein, qui va pouvoir le détrôner pour ce riche de crâne. Et oui, c'est l'homme à abattre pour cette soirée. En tout cas, il va falloir gravir de sacrées marches pour les deux joueurs, pour le joueur Redwood comme Nomad. Et on part sur destination finale, pas de plateforme. Ça va être difficile de mix-up, donc oui, aucune plateforme pour pouvoir nous aider pour des follow-up, etc. Donc oui, ça va être du 100%. Je te tape dedans, je te rentre dedans, et ça va être du 100% jeu à la Loyal. Ah bah là, ça, c'est sûr, c'est un peu un ring de boxe. C'est un ring. Il n'y a pas de truc pour nous embêter, c'est 1v1, garde du Nord un peu. Ah, c'est le cas. Hein.
Et là, on trouve ces jolis boomerangs qui viennent gratter les pourcents et mettre dans une position très déconcertante. Joli pari grave sur cette 17 que tu trouves. Pour l'instant, il y a Arsène qui est déjà de sortie. Hein. Et ça peut être effrayant. Je l'ai vu, le petit Phantom Footstool. Et l'atterrissage, forcément, qui sera puni. La recovery exploitable de Joker, c'est une des principales, finalement, un des principaux inconvénients du personnage quand on est sur Arsène, c'est que la recovery, bah, elle est assez exploitable tout de même. Hein, parce que oui, t'as que 3 directions pour pouvoir recover. Et en plus de ça, si t'atterris mal, bah, t'as aussi du mal à lutter face à ton adversaire. Et pour l'instant, c'est Otakuni qui ouvre les débats. Otakuni qui prend l'avantage. Mais évidemment, Otakuni, un personnage qui tape très fort. Otakuni, un personnage qui peut prendre une très très belle avance. Et l'avance ici sera bien concrétisée. Mais pour Inami, rien n'est joué encore. Et oui, là c'est relativement une assez grosse avance que nous impose Otakuni, contrairement à la game 2. On voit l'adaptation encore une fois hein, qui revient du côté de ce très bon joueur. Mais est-ce que Inami va se laisser faire comme ça? Je ne pense pas. Et il nous prouve dès maintenant en sortant ce Arsène et en essayant de trouver ce kill. Est-ce qu'il va le faire? Je ne le sais pas. Seul lui peut nous le dire. Et il le fera. Et il l'a trouvé. Il l'a trouvé avec ce très joli Baccarat à 150%. Ouais, à peu près. Là, très très haut pourcent, centaine de pourcents. On temporise légèrement grâce à l'invincibilité de la plateforme de Respawn. Otakuni, là on vient de trouver les phases, les débuts, les problèmes. Hein, voilà. Oh, oh oui, ça, oh, c'est oui. Très très joli. Full double gun, la classique un petit peu de Inami. La classique des Jokers, mais un peu plus ouais de Inami. Et c'est sacré arme qu'il a. Et on s'en sert très bien, des guns en général. Hein. On va attraper la bombe, merci la dash attack pour ça. Par contre, la bombe va pas être très bien utilisée hein, pour le joueur de Nobody Sport. Peut-être qu'on a un petit peu plus de mal pour Otakuni. C'est vrai que là, ça fait plusieurs instants que Inami a pas été touché et que on a beaucoup plus de mal à l'atteindre. Et c'est toujours un Inami qui, certes, déroule. Par contre, on a Arsène qui, certes, est pas prêt d'arriver. Par contre, oh là là, il n'avait pas tech et le sauvetage. On a toujours le saut. Aïe, c'était un méli-mélo sur le côté gauche du stage. Et en plus, Arsène qui est arrivé. Ça risque de devenir compliqué pour Otakuni. Attention avec l'atterrissage de la PO. Oh non! Oh frérot! Wesh, même Otakuni rigole, frère! Non! On va rien dire, on va oublier ce qui s'est passé. On va oublier les trois. Ouais, voilà. Des très belles phases. C'était majestueux. Ce serait mentir. C'est vraiment, non, c'est vraiment tiens. Mais ouais, un petit belly mélo hein, sur cette dernière phase. Et c'était un petit peu déroutant, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Égalité parfaite, mais égalité qui ne durera pas très longtemps. En tout cas, Otakuni qui continue à subir. Et Inami qui, pareil, bah, finalement reste sur son game plan où je déroule en fait. Je déroule mes combos. Écoute, niveau combo game, je suis largement supérieur à ce Link. Et bah écoute, je vais faire en sorte à ce que j'ai le plus de combos, le plus d'ouverture possible pour atteindre ce héros ilien. Et le héros ilien, bah tu le vois, il est mis à l'amende. Sachant que là en plus, on a Arsène, donc ça risque d'être d'autant plus compliqué ici pour Otakuni. Ok, donc on essaye de utiliser cette bombe, mais on se la prend. Aïe. Voir, est-ce qu'on revient? Ouais, on revient. On ne fera pas de deuxième SD, mais par contre, on a sauté. Ouais, côté Otakuni qu'on s'en veut hein, malheureusement de perdre cette game sur de si bêtes erreurs, mais rien n'est perdu, la troisième game peut faire la différence et nous amener jusqu'à la victoire. Et là bah, on espère qu'il y aura une adaptation qui saura être faite, mais pour le moment la balance penche très clairement du côté dynamique, prêt à reproduire comme dans le set d'avant. Comme dans le set précédent où il s'en est sorti victorieux. Et on est un petit peu. Ouais, on est dos au mur hein, pour Otakuni. On espère un bon rattrapage en tout cas. Town City, de retour sur cette map de Animal Crossing. Et une grande map. Un map avec des blasons assez resserrés. Donc kill vers le côté facilité, on l'a vu hein, sur les instants précédents où Inami s'est très bien servi hein, de cette map. À bon escient. Et il est là, on voit
voit que bah, plus grande map, donc plus d'espace pour se déplacer avec les plateformes, notamment surtout côté Inami hein, qui bah, est le plus agile des deux personnages. Donc ça va être bah, oh, joli combo. Et donc, ouh, ouais, c'est très très c'est extrêmement beau ce que propose Inami, mais ça sera malheureusement puni par Otakumi avec ce joli fer. Il a plus rien, il a plus rien, il a plus rien. Tech malgré tout, il a plus rien. Par contre, on se fera punir. Oh là là. La phase, la belle phase de Inami, la bombe qui était sur le terrain et on ne pouvait pas recover avec la bombe et toujours Otakumi. On commence à perdre patience. Aïe aïe aïe, c'est tellement tendu et Inami qui est beaucoup trop flashy. Vraiment, c'est on impose vraiment son jeu. On a du mal, on a aussi le upslash pour pouvoir nous sauver. On essaie de se recentrer. Il faut absolument rester concentré pour Otakumi, sinon ça risque de devenir assez compliqué face à Inami qui pour l'instant est beaucoup trop instable. Ça c'est sûr. On aura réussi à réégaliser de manière joli air dodge pour esquiver le follow-up suite à cette bombe. Le nerf en landing qui viendra empêcher la remontée tranquille. Et bah là, on grappille les pourcents encore une fois. Hein. On rend even le tout. Joli full to link to gun. Et là, bah, les positions s'échangent. Les guns qui viennent embêter le link. Link qui s'en sort tranquillement grâce à ce nerf assez broken. On va pas se le cacher. Il est très très fort ce nerf. Très très bon nerf. Très 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 bon nerf. Très très là, bon nerf. Le nerf encore une fois qui bah, permet d'écarter tous les problèmes lorsqu'il a mis sa proche un peu trop et que les situations deviennent trop méli-mélo, trop chaotiques. Oh non. C'est pas grave, c'est pas grave. Si le up smash ne connecte pas, on touchera avec ce joli forward air, nous a dit Otakumi en récupérant la stock Kinami. Belle récupération, belle récupération. Et on en a besoin de cette récupération, en tout cas, pour survivre du côté Red Hood. Parce que là, Inami est en train de complètement dérouler. Tandis que Otakumi, leur dodge a été très très bonne. Ça a été salvatrice hein, pour pouvoir finalement revenir dans cette situation un petit peu neutrale, peut-être. Inami qui, certes, met cette pression hein, sur le shield avec les guns, c'est très bien vu. On peut mettre cette pression des deux côtés avec des projectiles. Mais c'est vrai que là, on est flashy et on a tenté le ledge trump carrément pour Inami. Heureusement qu'on est très réactif côté Otakumi, ça aurait pu, on aurait pu finir dans de beaux draps. Et Inami qui a Otakumi pardon, qui a une très très bonne avance. Mais on est beaucoup trop loin, on s'en veut pareil. Allez Otakumi, reste concentré, recentre-toi. C'est possible, c'est tout à fait possible. 27%, c'est, on peut creuser encore vite cet écart. Mais Arsène qui arrive, l'invincibilité, merci, qui va complètement casser le jeu, casser le combo. Attention, Bakker qui va intervenir ici. Downer derrière en réponse. 3-0 autoritaire de la part du joueur Nomad eSport. Quel double. Quel set, quel avantage. Quel avantage.